L'opération Kanyama KCC n'est pas un fruit du hasard. Cette initiative est l'œuvre du feu Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, c'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui rêvait beaucoup pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien qu'il avait passé presque toute sa vie dans le maquis. Il rêvait beaucoup de choses. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, vous savez, quand il devait d'abord commencer par restaurer l'armée, beaucoup de jeunes gens, même les étudiants surtout, ils ont dû abandonner les études pour se faire enrôler. Parce qu'ils avaient foi, ils avaient confiance en Mzé. Dans sa vision, l'homme voulait donner de l'espoir à certains jeunes dont leurs parents étaient en impossibilité pour scolariser certains enfants en leur accordant des formations professionnelles, affirme Gustave Molongoy. Et alors quand il a conçu l'idée de Kanyama KCC, c'était pour les jeunes bâtisseurs, pour bâtir la République. Non seulement il ramassait les gens pêle-mêle, mais les gens se sont donnés d'eux-mêmes, des jeunes gens qui se sont fait enrôler spontanément d'eux-mêmes parce qu'ils devaient bâtir la République. Ils croyaient aux idéaux de Laurent Kabila. 17 ans après, cette opération a changé de tournure. Gustave Molongoy décrit le changement brusque de l'opération Kanyama KCC. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez, il y a une sorte de défiance, de déviation si vous voyez. Donc on ramasse des jeunes gens, même ceux-là qui n'en ont pas envie. Bon, aujourd'hui on parle tantôt d'opération Chege, et tantôt Kanyama KCC. Donc il n'y a pas de mesure d'encadrement. Donc la philosophie telle que Mzé l'avait conçue, telle qu'elle réfléchissait, telle qu'il rêvait, il y a une sorte de déviation. Revenir à la vision du feu Laurent Désiré Kabila est l'une des propositions faites par Sylvain Labbé. Alors autant laisser peut-être laisser les gens se faire enrôler et voir, leur expliquer au départ, n'est-ce pas, sensibiliser, conscientiser. Et même ceux-là qui vont y aller, ils y vont de bon cœur, de gré, donc en acceptant ce travail-là. Depuis son lancement, Opération Zéro Délinquant sème la terreur dans le chef de la population.